Lorsqu'un colis arrive dans cette nouvelle plateforme de tri de la Poste, il ne met que 4 minutes 10 à être traité avant d'être envoyé vers sa destination finale. Cette rapidité permet de gérer 32 000 colis par heure, de quoi répondre à l'augmentation constante de l'activité colis de la Poste et encore plus depuis le confinement. L'outil répond vraiment à notre besoin capacitaire pour répondre à nos clients e-commerçants qui connaissent une forte croissance chaque année. Au mois de mai, effectivement, sur la plateforme des Hauts-de-France, nous avons trié un peu plus de 8,4 millions de colis, ce qui représente une moyenne de 430 000 par jour. Pour répondre à ce besoin, l'entreprise s'est dotée d'outils innovants comme ce tapis roulant articulé qui facilite le travail des agents. Avant, on avait des sacs remplis de colis qu'on déchargeait à la main. Maintenant, les colis sont mis en vrac et on décharge sur un tapis qui va jusqu'au fond de la vrac. On a pu apporter les colis à la main. On a une plateforme beaucoup plus moderne et on traite beaucoup plus de colis à l'heure. Forcément, oui, comme on doit en passer plus, on a besoin d'accompagner plus l'agent. Avec ses 25 000 mètres carrés de surface, cette plateforme de tri est la plus performante en France. Trois autres comme celle-ci devraient ouvrir dans les prochains mois en Île-de-France et dans le sud de l'Hexagone.